veux de la maille, on m'a dit qu'il faut bosser. Bosser, bosser, bosser. Tu fais le gros bas, mais tu retailles. Tu veux de la monnaie, tu dois le mériter. Je suis le plus fort, y'a pas d'égalité. Et de l'inspi, j'en ai illimité. Je viens de remarquer que j'ai augmenté un à ce couplet. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Je suis en direct de Saint-Fond avec mon gars Reggio. Ça va ou quoi, mon gars? Bien et toi? Ah, toujours, hein. Je laisse un peu te présenter là déjà pour commencer. Je suis Reggio, j'habite à Saint-Fond, j'ai 18 ans et je suis un peu dans la trappe. Et je suis polyvalent en rap. Déjà, t'as eu l'idée comment toi de commencer le rap? L'idée est venue un peu de mon grand frère. Mon grand frère il rappait et j'ai un autre frère aussi il rappait. Donc ils étaient déjà dedans et tout ça. Et après, je me suis dit, vas-y, ça peut passer, je peux tester. Donc je me suis mis à tester tout ça, je me suis mis avec mon Gava. On s'est mis à rapper, on a rappé. Et après, on a vu ça marcher. Au début, ça marchait pas. Après, petit à petit, ça commence à marcher, ça commence à monter et on a continué comme ça. Et tu m'as dit, il y a un peu d'autres rappeurs, non, au quartier? Ouais. On a la Famax, on a Vrax. Après, j'ai mon cousin AMR qui est de Mermoz. Il y a Fetchi. Et il y a d'autres. Après, on a beaucoup à Lyon, on a beaucoup. Mais aussi, il y a Akira. Son travail, il rappe bien. Ça arrive tout petit à petit. Et ici, là, vraiment, Arsenal. Ouais, Akira, la Famax et Vrax. Ok, c'est carré mon gars, t'as des trucs qui sont prévus ou quoi pour la suite? Pour l'instant, non, pour l'instant on ralentit un peu, mais on va monter direct sur une échelle d'un coup. Et petit à petit, on va augmenter. Ouais, t'as sorti des clips un peu toi sur YouTube? Ouais, j'ai sorti des clips. J'ai fait un clip, mais bon, c'était un clip qui n'était pas très prévu. Donc tu vois, ça s'est fait direct. C'est fait un soir, on m'a appelé, on m'a dit demain au clip, ça s'est fait direct. Et tu clips avec qui toi en général? Avec FaZe Menti, freelance musical. Je commence avec lui, premier clip avec lui. C'est lui qui m'a dit de clipper. C'est grâce à lui ça. Vas-y, puis il y a une question, je dis souvent, c'est quoi ton top 3 de tes rappeurs préférés? De Lyon ou de partout? Partout. Partout. En vrai, pour moi le premier c'est Simco. Simco pour sa gestu. Ah, il est chaud hein? Ouais, Simco pour sa gestu et son lever de jambe. Parce que les gens, il faut qu'ils savent que ça vient de lui, le lever de jambe. Avant Chili et tout, là? Avant Chili, tout ah, ça. Ah, c'est même pas, c'est à son côté, ça. Ça, c'est son côté. Ça, c'est juste imitation. Mais tout vient de Cinco. Tout vient de Cinco. Après, je vais mettre Niska. Et puis... Dems. Damso, il est fort. Damso. Ok, c'est carré, mon gars. Il y a... Ton nom, Reggio, ça vient d'où, ça, en fait? Reggio, c'est là, j'étais au bled. C'est venu d'un coup. C'est venu par mes petits cousins. Ils ont commencé à chercher par eux-mêmes. Après, ils ont mélangé avec un autre grand cousin qui rappe. Donc, lui, mon grand cousin s'appelle Kerjo. Il a mélangé, ils ont mis un re, après, ça fait une embrouille bizarre, ça fait Reggio d'un coup. Ok, c'est carré, mon gars. Ouais. La dernière question, là, je l'ai dit à tout le monde. Est-ce que t'as une équipe de foot préférée? Moi, je sais pas, J'ai pas d'équipe préférée. Mais bon, on va dire l'OL, on vient de Lyon quand même. Ah, bien vu, bien vu. Vas-y, t'as des réseaux sociaux, on peut suivre? Ouais, sur Insta, Reggio-du-bas officiel, Snap pareil, et Twitter, mais Twitter, je me suis pas encore lancé dessus. Sinon, il y a Insta et Snap qui sont dispo. Vas-y, bien vu mon gars, en tout cas, merci à toi, ça fait plaisir, hein. Ouais. Force à toi, on est ensemble. Merci, on est ensemble, vas-y. À 10 ans, il est déjà posé, découpe des plaquettes et recompte la thune. Ah bon? À 10 ans, il est déjà posé, découpe des plaquettes et recompte la thune. Je vous termine en un seul couple et mon gars Icy, il va te coquer contre vous. Y'a aucun concours, tes manches puissants, ils disent que j'ai triché. Ah ouais. Et nous, on se regroupait, ils montaient deux punch et t'es décédé.